Eh bien, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence débat qui est organisée par l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique, hein, qui est une structure de réflexion, de recherche autour de cet Indo-Pacifique qui fait couler beaucoup d'encre et qui est au cœur de beaucoup de réflexions aujourd'hui sur les questions stratégiques, de défense, de relations internationales, de géopolitique. Et donc, nous allons travailler sur un thème que nous avons intitulé Sécurité en Indo-Pacifique, deux points. Quel rôle pour la coopération franco-japonaise? Pour donc échanger autour de ce thème, nous avons formé un couple franco-japonais, un peu sur le modèle du 2 plus 2, comme on fait dans toutes ces grandes réunions, ces grandes messes de sécurité et de défense. Et donc, nous avons aujourd'hui quatre intervenants. Tout d'abord, nous avons M. Kanehara, qui est professeur à l'université d'Oshisha, ancien diplomate et ancien conseiller diplomatique auprès du Premier ministre Abe Shinzo. Je crois que je ne me trompe pas. Et c'est un grand amoureux de la France. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, l'ont déjà croisé. Il a reçu en 2015 donc l'ordre national. Il a la Légion d'honneur. Et c'est assez rare pour être signalé. Deuxième intervenant, Marianne Perrondoise, que vous connaissez peut-être mieux. Marianne, qui est donc chercheure associée à l'IRIS et qui est également la directrice de cet observatoire, donc de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique. Ensuite, nous avons Monsieur Miyashita, qui est professeur à l'université d'Essai, donc à Tokyo, et Barthélémy Courmont, qui est directeur de recherche à l'IRIS et qui est le responsable du programme Asie-Pacifique. Vous l'avez compris, dans l'intitulé, il est bien indiqué que nous allons beaucoup réfléchir autour de cette coopération franco-japonaise en Indo-Pacifique. Vous le savez sans doute, la coopération franco-japonaise est extrêmement dense depuis un certain nombre d'années, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan scientifique, sur le plan technique, sur le plan universitaire, sur le plan économique, etc. On pourrait développer ça à l'infini. Et c'est une relation qui est très ancienne, puisqu'en 2018, la coopération franco-japonaise, la relation diplomatique bilatérale a fêté ses 160 ans. Donc, c'est historiquement une relation qui est très forte et qui est très ancienne. Ce qui est intéressant de regarder aujourd'hui et de rappeler, c'est que la France et le Japon partagent sur la scène internationale un certain nombre de valeurs équivalentes, que ce soit les valeurs autour de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme, du respect de l'état de droit, respect des institutions internationales, le respect du droit international. Et je pense qu'il va en être état aujourd'hui. On va en parler, j'imagine, de façon abondante. Et surtout, et ça nous ramène à la crise ukrainienne, il y a une vision franco-japonaise autour de la résolution pacifique des différends, dont on va parler aujourd'hui, qui est très intéressante, et on regardera ce que la France et le Japon peuvent apporter d'une certaine façon au monde et à l'Indo-Pacifique autour de cette question. Pour terminer, le colloque sera, du moins la conférence sera structurée autour d'un certain nombre de thèmes. On va parler beaucoup de coopération. Quel est le type de coopération que l'on retrouve entre la France et le Japon, donc en Indo-Pacifique? Quelles sont les formes d'approfondissement auxquelles on assiste ou qui seraient peut-être souhaitables autour de cette coopération franco-japonaise en Indo-Pacifique? Et pour terminer, je rappelle le mode de fonctionnement de ce webinaire, qui est un mode de fonctionnement tout à fait classique. Tout d'abord, nous allons avoir donc les quatre interventions qui vont se suivre. Chaque intervention va faire entre 10 et 15 minutes maximum. Et ensuite, nous basculons dans une seconde partie où il y aura donc un certain nombre de questions qui vont rentrer. Donc, si vous avez des questions à poser tout au cours donc du webinaire, à ce moment-là, posez-les et dans la seconde partie, nous les poserons donc aux différents intervenants. Voilà, je m'arrête ici pour cette courte introduction et je donne donc la parole d'ores et déjà donc à Monsieur Calera. Et bonjour, bonsoir. C'est un grand honneur et c'est un grand plaisir de revenir à Paris, même online. Je vais commencer un petit discours. L'invasion de l'Ukraine par président Poutine a montré que la communauté internationale basée sur les règles n'est pas encore acceptée, partagée par la Russie. Les règles de la jungle du 19e siècle sont encore dominantes dans les mentalités de certains leaders du monde. Où sommes-nous aujourd'hui? Après que la révolution industrielle de la Grande-Bretagne et la France ont changé la vie des êtres humains éternellement, beaucoup de philosophes et intellectuels ont essayé de construire une vision nouvelle de la société humaine pour la société industrielle émergente. La révolution française a donné un modèle en théorie, droit de l'homme, liberté de la presse, judiciaire indépendante et le Parlement.
le nouveau principe politique est né. C'est que la volonté générale du peuple, exprimée de la façon libre, est la source de la légitimité d'un gouvernement. Ce principe de la démocratie moderne est la base de la gouvernance du XXIe siècle. Le monde basé sur ce principe est appelé aujourd'hui l'ordre libéral international. Il y a plusieurs défis contre l'ordre libéral international. Le premier défi est le fait que les Occidentaux seront marginalisés en termes de la taille économique dans ce siècle. La proportion de l'Occident dans l'économie mondiale sera moins que celle de l'Asie, qui occupera 60% de l'économie mondiale. Les Occidentaux, incluant le Japon, ne doivent pas être marginalisés. Au contraire, il faut engager les Asiatiques dans cet ordre libéral international. Les Asiatiques sont parvenus des voies de l'histoire très différentes des Occidentaux. À l'époque de la Lumière pour le commencement de démocratie moderne, par des Occidentaux, ils étaient colonisés et racialement discriminés. Les valeurs universelles étaient à l'époque niées à eux. Après l'indépendance, ils ont choisi le régime de dictature pour se développer rapidement et établir l'armée puissante. La démocratie occidentale n'était pas leur choix au commencement. Mais après les essais variants comme le régime communiste, junta militaire et dictature par des populistes, certains pays ont commencé à joindre le club occidental. En Asie, le premier est les Philippines en 1986, la Corée en 1987, membre de l'océan suivant, et Taïwan en 1996. Vietnam a choisi d'ouvrir le pays aux Occidentaux économiquement. Il faut continuer à les engager. Le deuxième défi est la montée de la Chine au stade de superpuissance. Sa taille économique est déjà 75% en comparaison avec les États-Unis. Son budget militaire est 5 fois plus grand que celui du Japon, dont le budget militaire est même que la France ou la Grande-Bretagne. Xi Jinping, comme Poutine, ne comprend pas du tout notre philosophie politique libérale. Il ne comprend pas le sens des mots comme amour, conscience, liberté, égalité, fraternité et droit international. La philosophie politique classique de la Chine est très proche de la philosophie de l'époque de Lumière de la France. Il y a 200 300 ans, Mencius de l'école confucianiste a dit que la volonté du ciel est la volonté du peuple. Qu'un roi qui dirige l'État contre la volonté du ciel et du peuple doit être détruit. Les Mao a effacé cette philosophie traditionnelle. Il a importé le système léniniste et staliniste. Xi Jinping suit la voie de Mao. Des poissons puissants mangent de petites crevettes. Cela est exactement la seule règle pour la politique internationale et domestique pour Xi Jinping. La Chine moderne ne connaît pas le libéralisme. La dynastie de Qin est tombée en 1912 lorsque l'ère de Meiji, la première phase de modernisation japonaise, est finie. Après cela, la Chine était toujours dans le conflit interne ou dans la guerre avec le Japon. En 1949, la Chine de Mao est née. Les confusions de la guerre de Corée en 1950, la grande famine 58, la révolution culturelle qui a commencé en 66, ont dévasté la Chine et le libéralisme était impossible. Deng Xiaoping a essayé de rétablir l'ordre. Mais malheureusement, la fin de guerre froide secouait la Chine. Deng a courageusement continué à ouvrir la porte à l'Occident pour le cash et la technologie pour le développement. Mais à l'époque, les leaders communistes ont déjà été déterminés de faire n'importe quoi pour la survie du régime. L'espoir que la Chine deviendra un jour comme nous, libéral, a été brutalement trahi. Et maintenant, la Chine pense que c'est elle qui est la plus puissante. La Chine a commencé à agrandir son influence dans la mer. En 1906, il a formellement déclaré que la mer de la Chine du Sud est toujours la mer de la Chine historiquement. Elle utilise la force pour changer la statu quo des frontières et des frontières maritimes. En envoyant des militias ou des bateaux de la police maritime, elle a commencé à chasser des bateaux de pêche d'autres pays de la région. Le Japon n'a jamais pensé qu'il viendrait à lui, mais des bateaux de la police de la Chine ont commencé à venir en nombre à Senkaku en 2012 pour menacer des pêcheurs japonais. Et leur but final,
stratégique est de prendre Taïwan. C'est la fin de la guerre civile pour Xi et la trophée doit être la sienne pour qu'il dépasse Mao. Comme un grand timonier de la Chine communiste, il semble déterminé de le reprendre par la force. La Chine est un problème global aujourd'hui, comme la guerre de Poutine en Ukraine. Pour stopper la Chine allant à la guerre à Taïwan, il faut avoir une stratégie intégrale et globale. J'aimerais bien vous donner 7 points. Premier, les Occidentaux devraient montrer à la Chine que le système basé sur le libéralisme préfère leur peuple plus heureux que la dictature communiste. La vision largement partagée de l'Inde-Pacifique est essentielle dans ce contexte. L'unité des Occidentaux est cruciale car aucun pays prêt à contrôler la Chine seul, incluant les États-Unis, de quoi le Japon, États-Unis, Australie et Inde est important. Trois, surtout l'engagement de l'Inde en pôle stratégique de la géopolitique dans le monde multipolaire est important. Après que le rapprochement entre la Chine et les États-Unis, l'Inde est allée à Moscou pour acheter des armes. En voyant la tension entre Beijing et Washington, l'Inde s'approche lentement vers les États-Unis et le Japon. Quatre, les Européens, bien suivant. Avec l'Europe, les Occidentaux sont 2 fois plus grands que la Chine. Elle ne dépassera jamais la taille globale des Occidentaux. Donc, les Occidentaux prêts contre la Chine lorsqu'ils sont unis. Et 5, il faut engager la Corée du Sud, qui est la taille de la Russie ou le Canada économiquement aujourd'hui. Leur militaire compte 600 000 soldats. Elle est le 2e exportateur des armes en Asie. 6, parmi les pays membres de l'ASEAN, l'Indonésie et le Vietnam et les Philippines sont les puissances qui se gardent contre la Chine. Et 7, finale, la Chine suivit la route d'expansion de la force maritime impériale du Japon. Elle essayait de prendre des îles pacifiques. La Solomon est tombée dans leurs mains. La France est une puissance pacifique avec la Nouvelle-Calédonie. La coopération avec la France est en marche dans le Pacifique. Merci beaucoup. Merci, M. Canéara. Alors, je retiens 2 choses de votre intervention. C'est qu'on voit déjà des pistes qui apparaissent dans la coopération franco-japonaise en Indo-Pacifique. C'est tout d'abord donc la défense de valeurs communes. Vous avez longuement cité la démocratie. On peut parler aussi de tous ces processus d'ouverture et dont je comprends que vous souhaiteriez que ces processus d'ouverture, qu'ils soient économiques ou peut-être un peu plus progressistes, continuent et soient du moins mis en avant dans cette région. Et puis la seconde, c'est prendre conscience finalement non plus de l'émergence chinoise, puisqu'on n'en est plus là maintenant en termes d'émergence, mais de bien comprendre et de bien analyser la puissance chinoise telle qu'elle se met en place en Indo-Pacifique et au-delà, bien sûr, de l'Indo-Pacifique. Mais je pense qu'il y aura des questions autour de votre intervention un peu plus tard. Je vais donc donner la parole à Marianne Perrandoise, qui, en revanche, a un PowerPoint à nous présenter. Et Marianne, c'est à toi. Merci beaucoup, Eric. Je voudrais d'abord, en introduction, dire combien je suis flattée et honorée de partager ce webinaire avec nos 2 invités japonais, l'ambassadeur Canéara et le professeur Miyashita. Et aussi, évidemment, très heureuse de pouvoir partager quelques idées avec eux sur cette coopération franco-japonaise qui est au cœur de notre webinaire aujourd'hui. Et à cet effet, c'est vrai, Eric, j'ai préparé un PowerPoint que j'espère pouvoir partager sous vos yeux de façon à pouvoir dérouler mon propos et à le tenir autant que faire se peut dans les 10 à 15 minutes qui me sont données. Alors, Eric, tu as parlé en fait d'une session organisée sur un modèle qui ressemblerait au mécanisme du 2 plus 2. Et donc, si l'ambassadeur Canéara a ouvert la session avec des propos de nature très, très diplomatique, sur cette relation. Moi, je vais revenir sur un volet un peu plus concret qui est quand même un élément très structurant de la relation franco-japonaise et donc qui est une dimension défense avec un volet sécurité maritime sur lequel je vais revenir assez régulièrement au fur et à mesure que je vais dérouler mon propos. Je vais d'abord contextualiser en revenant
brièvement sur ce partenariat qualifié de partenariat d'exception entre nos deux pays. Bien sûr, dire un mot sur une vision indo-pacifique commune qui apparaît être un nouveau ciment pour, je dirais, rapprocher ces visions globales et cette perception très inclusive de cet espace indo-pacifique et de la coopération qui doit s'y dérouler, ainsi qu'une perspective avec peut-être un renouveau des alliances de l'administration Biden qui peut s'inscrire éventuellement à l'encontre d'une vision indo-pacifique qui veut être multilatérale, englobante et qui a peut-être une vision particulière de la place de la Chine dans cette organisation. Et bien sûr, je terminerai avec la guerre d'agression russe en Ukraine, qui, ça a déjà été dit, a un impact non simplement sur la sécurité européenne, mais bien entendu en Asie, où la Russie est un acteur et est un acteur très proche de la Chine. Et donc, j'ai repris une phrase, « Ukraine today, maybe East Asia tomorrow ». C'est une phrase qu'a prononcée le Premier ministre japonais, M. Kishida, lors du dialogue Shangri-La, donc, qui s'est tenu la semaine dernière à Singapour, et où il a été l'un des keynote speakers, et où il a d'ailleurs pu s'exprimer longuement sur ce dernier sujet. Je rentre maintenant sur ce contexte bilatéral. Il est extrêmement riche. Il s'est mis en place progressivement et si on parle désormais d'un certain nombre de dialogues qui ont pu nourrir cet échange à très haut niveau, évidemment, politique entre le président Macron et par exemple monsieur le Premier ministre japonais Shinzo Abe, bien sûr, en parallèle, il y a beaucoup d'autres formats qui permettent d'inscrire cette relation dans un contexte assez concret, et notamment entre la défense et le ministère des Affaires étrangères, un dialogue de type 2 plus 2 qui a été élevé donc au niveau ministériel, donc qui intéresse les ministres de la défense et des Affaires étrangères, qui se réunissent donc régulièrement sur un agenda où on trouve des préoccupations de sécurité communes entre les deux pays. Bien sûr, il est beaucoup question de l'expansion militaire de la Chine. Il est beaucoup question des questions de prolifération avec les activités de la Corée du Nord. Il est également question de la sécurité maritime avec un volet assez consistant sur la piraterie qui a été un thème de coopération et qui reste un thème de coopération entre la France et le Japon, mais aussi plus récemment, cet agenda s'est enrichi d'une nouvelle vision stratégique due à l'émergence de la montée des menaces hybrides, c'est-à-dire le développement de situations de zones grises. Et le Japon a pu s'en expliquer assez longuement et assez régulièrement en évoquant la stratégie chinoise d'expansion maritime et la revendication des frontières maritimes de la Chine dans l'espace indo-pacifique et notamment autour des Senkaku. Et bien sûr, il faut y ajouter la perception d'une nouvelle agressivité russe en observant ce regain d'activité et le redéploiement de la flotte russe du Pacifique où, vous le savez, sont positionnés des sous-marins balistiques lanceurs d'engins. Et donc, bien sûr, à la lueur de la crise en Ukraine, on peut même parler de porosité de ce phénomène de montée en puissance des menaces hybrides et effectivement de l'impact de cette agressivité russe sur les deux théâtres avec une inquiétude tout à fait commune qui dépasse le cadre de l'analyse et le cadre de la relation France-Japon. Et donc, j'insisterai sur le fait que bien sûr, l'ambassadeur Kanehara a insisté sur cette vision commune en faveur d'un ordre libéral international qui est le ciment de cette relation, ce partage des valeurs de liberté d'expression, de démocratie. Donc, cette volonté d'adopter une vision et des actions pour soutenir le multilatéralisme,
afin de régler un certain nombre d'enjeux communs. Mais il y a aussi, de façon très, très concrète, la mise en route de certaines actions et un plan de développement conjoint en matière de coopération militaire, qui fait que la France a pu soutenir d'une façon très, très active sur ces dernières années et élargir la coopération opérationnelle avec les forces d'autodéfense et quelque part a pu, je dirais, participer à cette dynamique de normalisation des forces d'autodéfense japonaises qui a fait que le Japon s'est engagé progressivement mais résolument dans la gestion de la sécurité régionale aux côtés de son grand allié américain, mais aussi à l'échelon global et est devenu un acteur reconnu de la sécurité internationale, ne serait-ce que par un certain nombre d'actions de coopération, notamment entre la France et le Japon sur le territoire africain et l'aide à la stabilisation dans le cadre d'opérations de peacekeeping. Je continue en voulant illustrer mon propos pour montrer un aboutissement absolument concret et très récent de cette coopération opérationnelle entre la France et le Japon, voulant mentionner l'exercice ARC 21, qui est un exercice qui n'a pas uniquement eu un caractère bilatéral, mais qui a permis d'intégrer tout un ensemble de partenaires très proches de la France et du Japon, les États-Unis, l'Australie, et quelquefois d'ailleurs l'Inde se joint à cet ensemble d'exercices. L'exercice ARC 21 a ceci eu d'exceptionnel de par sa dimension. C'est un exercice d'entraînement d'ampleur avec un volet terrestre et un volet maritime qui a permis le déploiement sur le sol japonais d'un contingent de soldats français dans le cadre d'un scénario très concret de reconquête du Nil. Et donc, j'ai souhaité effectivement mentionner cet exercice comme étant un pas assez décisif dans le cadre de ce rapprochement des forces armées de nos deux pays. Et ceci, vous le voyez bien, dans un cadre qui dépasse la coopération bilatérale et qui s'inscrit dans un ensemble de partenariats avec des pays qui sont proches à la fois de la France et du Japon. Le dernier élément qui contribue en-delà de cette volonté mutuelle de s'aider dans ce souhait d'être reconnu la France comme un partenaire de la sécurité en Indo-Pacifique, le Japon comme un partenaire de la sécurité, je dirais, à l'échelle globale, à travers évidemment le Conseil de sécurité, à travers le G7, un certain nombre d'enceintes internationales, le G20, eh bien, il y a cette thématique Indo-Pacifique avec l'élaboration d'une stratégie où effectivement le respect des règles internationales et notamment de la liberté de navigation occupe une place extrêmement particulière puisque l'Indo-Pacifique est quand même une région à dominante maritime puisqu'il s'agit de considérer à la fois la partie océan Indien et Pacifique et faciliter la stabilité, faciliter la connectivité entre ces deux grands ensembles. Et c'est vrai que dans l'approche japonaise qui s'est élaborée autour de la Free and Open Indo-Pacific vision élaborée par le Premier ministre Shinzo Abe dès les années 2006, il y a cette mise en avant de l'importance des grandes voies de communication maritime. Une grande voie de communication maritime qui s'est peut-être sentie contrebalancée par des initiatives chinoises en parallèle à l'élaboration de ces visions indo-pacifiques. Je pense au lancement de la Belt and Road Initiative, avec notamment un développement très particulier dans l'océan Indien, mais aussi l'établissement en 2016 d'une base navale chinoise à Djibouti. C'est vrai que ce sentiment d'une certaine expansion maritime de la Chine hors d'un certain nombre de règles, et notamment regardant la liberté de navigation, est une perception commune
un degré plus ou moins accentué entre le Japon et la France. Et donc, vous avez tout un ensemble de documents mentionnés pour mémoire sur ce slide. Bien sûr, dans un premier temps, une vision défense de la sécurité de la France dans l'Indo-Pacifique, qui a constitué un premier pas dans l'élaboration d'une vision et qui répondait sur certains points très clairement à la Free and Open Indo-Pacific vision mise en œuvre par le Japon, avec l'ajout et une précision avec un contenu peut-être plus politique, plus diplomatique, avec ce document, la stratégie de la France dans l'Indo-Pacifique qui a été publié par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, prenant en compte un certain nombre de déclarations du président Macron, dont le fameux discours de Garden Island qu'il a prononcé avant une longue mission de présence dans la zone pacifique où, vous le savez, la France est très, très présente. Cette vision indo-pacifique de la part du Japon a réussi à convaincre l'Inde, un partenaire extrêmement important, une démocratie maritime qui pèse d'un poids très significatif dans les espaces indo-pacifiques, notamment dans l'océan Indien, notamment face à l'expansion maritime de la Chine. Et donc, cet axe Paris-Delhi-Canberra que le président, effectivement, a voulu élaborer dans un premier temps comme étant privilégié, s'accompagnait évidemment d'un rapprochement et d'une approche tout à fait similaire avec le Japon, sachant que l'Inde, l'Australie, le Japon et les États-Unis avait formé parallèlement ou réactivé ce mécanisme du Quad qui peut venir en contrepoids ou qui vise à donner peut-être un contenu un petit peu plus concret aux stratégies indo-pacifiques de ses grands partenaires et auxquelles d'ailleurs la France jusqu'à présent a pu participer par le biais de la mise en œuvre d'un certain nombre d'exercices navals, notamment l'exercice Malabar. Et évidemment, ce partenariat indo-pacifique franco-japonais peut souffrir d'un certain nombre de limites. C'est évidemment le paramètre Chine et la vision respective des deux pays sur la nature de la coopération à mettre en place, la vision sur la menace immédiate ou lointaine que peut représenter la Chine, et surtout, et c'est très clairement exprimé à la fois dans le document français et ça a été repris dans la stratégie de l'Union européenne pour la coopération en Indo-Pacifique, le refus de ce que quelquefois la France définit comme une ligne confrontationnelle ou comme une politique de bloc qui aboutirait à stigmatiser ou à être fermée par rapport à un certain nombre de partenaires. Évidemment, le partenaire principal qui est à l'esprit des deux pays et de l'Union européenne, c'est évidemment la Chine. Alors, pour terminer sur ce panorama mené tambour battant, c'est vrai que ces stratégies indo-pacifiques, cette vision commune que peuvent avoir le Japon et la France sur des valeurs à défendre, et notamment la liberté de navigation, se retrouve peut-être peut-être remise en cause ou doivent composer avec un regain d'engagement de l'administration Biden, suivant en cela une ligne déjà largement ébauchée par l'administration Trump, avec une volonté de bien marquer la présence militaire, économique et diplomatique américaine en Indo-Pacifique, et ceci face à, je dirais, la perception d'une émergence chinoise qui se fait de plus en plus menaçante. Et c'est vrai que les stratégies indo-pacifiques à la fois du Japon, de la France et de l'Union européenne doivent composer avec cette accentuation de la rivalité américano-chinoise qui voit les États-Unis mettre en place de nouveaux concepts, pour celui de dissuasion intégrée qui insiste beaucoup sur les partenariats, mais également sur la mise en place de nouvelles coopérations dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de l'intelligence artificielle,
spatiale, du cyber, de la robotique, des missiles hypersoniques, bon, tout un panorama de capacités qu'il s'agit de maintenir tout à fait à un haut niveau de technicité face aux avancées chinoises qui paraissent quelque part remettre en cause une forme de suprématie ou d'avance américaine dans le théâtre indo-pacifique. Et donc, il y a finalement l'existence et la mise en place de mécanismes face auxquels finalement la France et le Japon doivent se positionner en tant que partenaires des États-Unis et proches partenaires eux-mêmes. Donc, ce quad et l'AUKUS, sachant que le Japon est particulièrement actif au sein du quad, puisqu'il a accueilli donc à Tokyo la dernière réunion en mai du mécanisme, où effectivement a été réaffirmée la nécessité de mettre en place un certain nombre de capacités en commun afin de faire contrepoids à cette expansion multidimensionnelle de la Chine dans l'espace indo-pacifique. Quand je dis multidimensionnelle, je pense évidemment à des capacités qui sont paradiplomatiques et qui vont au-delà de capacités purement militaires. Bien sûr, nous arrivons au défi supplémentaire que pose la guerre en Ukraine à la stabilité en Indo-Pacifique et à ce souhait de contenir cette expansion chinoise qui devient de plus en plus menaçante et qui est un problème au jour le jour très immédiat pour le Japon, avec un Japon qui s'est montré très, très proactif, qui a effectivement suivi et épousé les sanctions décidées par l'Union européenne et qui a mis en place également des sanctions à titre bilatéral. La France comme le Japon ont effectivement exprimé très fortement avec un certain nombre d'autres pays occidentaux leur refus du recours à la force et cette remise en cause du droit international que constitue le coup de force et la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Ces pays ont élaboré un certain nombre de réponses politiques, je les ai mentionnées, mais également, et c'est assez nouveau de la part du Japon, qui décidément a décidé de devenir et de se montrer très proactif, il y a la question d'un soutien militaire face à un partenaire qui n'est pas un allié, c'est le cas de l'Ukraine par rapport aux États-Unis, qui pose un certain nombre de questions sur un scénario potentiel en Indo-Pacifique où un partenaire, mais qui n'est pas un allié proche des États-Unis, pourrait se trouver victime d'un recours à la force comme la Russie l'a fait. Et on pense évidemment au détroit de Taïwan et on pense évidemment à la tentation de la Chine du recours à une option militaire pour, je dirais, prendre possession de Taïwan. Et effectivement, le Japon a déjà eu l'occasion d'exprimer sa position, de dire très clairement que toute instabilité dans le détroit de Taïwan entraînera, je dirais, une forme d'insécurité pour l'archipel japonais qui ne pourra pas, je dirais, garder une distance ou une certaine neutralité, mais qui, au regard de ses engagements d'alliés vis-à-vis des États-Unis, pourrait se trouver un titre ou un autre, peut-être logistique, mais en tout cas abritant des forces américaines déployées à proximité du théâtre taïwanais, pourrait à un titre ou à un autre se retrouver concerné. Et donc, en regardant cette potentielle duplication d'un coup de force en Indo-Pacifique qui s'inspirerait du coup de force russe, on ne peut que souligner la porosité des problèmes de sécurité à la fois en Europe et en Indo-Pacifique, et le fait que cette vision initiale d'un Indo-Pacifique qui posait comme principe effectivement une connectivité, une interdépendance à l'échelle globale de l'importance du théâtre Indo-Pacifique pour un certain nombre d'acteurs, dont l'acteur français, dont l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, se trouve validée d'une façon extrêmement tragique, mais on ne peut plus nier effectivement cette interdépendance stratégique. Et effectivement, l'élément de préoccupation supplémentaire, c'est effectivement une recomposition des partenariats, des alliances, des stratégies
avec un rapprochement d'opportunités peut-être, mais un rapprochement qui se précise entre la Russie et la Chine et qui ajoute à la fois aux préoccupations du Japon, qui effectivement a des voisins très turbulents, avec effectivement non seulement la Russie, la Chine, mais la Corée du Nord, sachant que les discussions qui étaient plus ou moins stables concernant une solution diplomatique appliquée aux territoires du Nord, qui sont l'objet de litiges avec la Russie, eh bien, ces discussions se sont retrouvées évidemment gelées par réaction de la Russie face aux sanctions décidées par le Japon. Donc, j'ai très rapidement, et j'espère que je n'ai pas très débordé, évoqué donc un panorama et donc déjà des actions très, très concrètes permettant de caractériser la coopération entre la France et le Japon en ouvrant des perspectives qui ont été encore une fois tragiquement ouvertes par cette guerre en Ukraine, qui a des prolongements en Indo-Pacifique et des prolongements dont les conséquences ne sont pas en l'état actuel toutes visibles et qu'il faudra continuer à observer et sur lesquelles il faudra continuer à travailler en commun. Merci pour votre attention. Merci Marianne pour cet exposé toujours très dense et très riche. Je retiens deux choses. Ben, la première, c'est que tu vas donner des exemples très concrets de la coopération franco-japonaise, notamment sur les questions de défense et de sécurité. Et puis, tu as rappelé quelque chose qui commence à devenir une évidence, c'est-à-dire qu'à la fois ce repositionnement américain en Indo-Pacifique, cette recomposition stratégique dans la région qui se superpose à la guerre en Ukraine, fait que nous ne savons pas si tout ça va renforcer ou affaiblir finalement la coopération entre la France et le Japon en Indo-Pacifique. Il y aura, j'imagine, nous allons progresser dans la réflexion autour de cette question tout au long de ce webinaire. Alors, il est l'heure de passer la parole maintenant à M. Miyashita. Alors, M. Miyashita, si vous êtes prêt, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Alors, je tiens tout d'abord à remercier mes collègues français de m'avoir offert l'occasion d'intervenir dans le cadre de cette conférence. Alors, on l'a vu dans les deux précédentes interventions, je pense que la problématique qui se cache derrière le thème de la coopération franco-japonaise en matière de sécurité, c'est l'expansion militaire chinoise de plus en plus visible, voyante et surtout agressive. Le Japon et la France partagent cette perception de la Chine, bien qu'à mon avis, il y a une petite différence et à mon avis, il faut nuancer qu'on a une position commune vis-à-vis de la Chine. Concernant le sort des Ouïghours, par exemple, oui, les deux pays sont entièrement d'accord, mais de par leur position géographique, il y a des différences. C'est que le Japon a des problèmes de territoire avec la Chine, tandis que la France, non. Ce qui, je pense, en cas de crise réelle, provoquera probablement des différences de position. Enfin, c'est ce que je pense. En tout cas, la Chine cause problème non seulement en mer de Chine, de l'Est, mais également en Nouvelle-Calédonie, je pense, comme on l'a vu lors des enjeux liés au référendum concernant l'indépendance au mois de décembre dernier, je pense. Donc, on a peur de la Chine et c'est la raison pour laquelle l'évolution des relations entre le Japon et la France depuis une dizaine d'années est spectaculaire, comme on l'a vu dans l'intervention de Madame Perrondoise. Le cadre juridique et institutionnel pour une telle coopération est en train d'évoluer et je pense pour ma part surtout à l'accord franco-japonais relatif à la fourniture réciproque de biens et de services entre la France et le Japon, signé le 13 juillet 2018.
Il y a déjà des activités concrètes basées sur cet accord. Et par exemple, la France a fourni des services médicaux à des membres du force d'autodéfense japonaise présents à Djibouti dans le cadre de la mission maritime anti-pirate dans le bassin de la Somalie et dans le golfe d'Aden. J'ai évoqué ce problème. C'est vrai, c'est un petit détail, mais je pense que c'est probablement en multipliant ce genre d'activités et en acquérant ce genre d'expérience que les deux pays pourront établir une relation durable en matière de sécurité. Quel rôle pour la coopération franco-japonaise? Je pense que c'est ce genre de petites activités qui vont améliorer les relations, comment dire, qui a du cœur et qui a du bœuf. Je dis ça parce que, car pour l'instant, malgré toutes les réformes, la marge de manœuvre du Japon dans le domaine militaire, que ce soit bilatéral ou multilatéral, reste limitée. Le Japon est un pays qui vit toujours dans le contexte post-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il vit toujours sous une constitution rédigée et mise en vigueur avant la structuration de la guerre froide, donc une constitution qui vise surtout à limiter les activités militaires et par conséquent, à mon avis, affaiblir le Japon en tant que puissance. En tout cas, c'est une sorte de frein aux activités japonaises. Alors, l'accord franco-japonais que j'ai évoqué il y a un instant est un accord qui symbolise une nouvelle ère des relations bilatérales, mais il reste tout de même encadré par les règles juridiques des deux pays lors de l'application, donc dans le cas japonais du Japon. Par exemple, enfin, c'est un cas un peu extrême, mais en cas de véritable conflit impliquant la France dans la région Pacifique, le Japon ne pourra pas livrer des munitions que si la sécurité du Japon même est considérée comme menacée. Et donc, ce, même après l'adoption des lois modificatives concernant la défense en 2015. C'est un exemple de cas extrême, mais si je ne me trompe pas, c'est le cas qui va nous tomber dessus. Donc, comme on a vu dans la dernière intervention, le Japon est devenu un partenaire d'exception pour la France depuis 2013, mais il est bien évidemment loin d'être un allié. Malgré les multiplications des exercices militaires, que ce soit dans un cadre bilatéral ou multilatéral, une modification probablement assez profonde des législations japonaises en matière de défense reste toujours nécessaire du côté japonais. Alors, par exemple, les restrictions concernant l'exportation des matériaux militaires à caractère défensif, malgré les lois que j'ai citées, les lois de 2015, ben, c'est toujours difficile d'envoyer des matériaux militaires, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Japon n'envisage absolument pas d'exporter des armes à l'Ukraine. Alors, ce que je souhaite dire, c'est que le Japon est une puissance régionale d'une capacité toujours limitée, à mon avis. Donc, la coopération franco-japonaise en matière de sécurité va probablement poursuivre son évolution dans les domaines techniques, à caractère modeste, à mon avis, mais je pense tout de même nécessaire pour contribuer à la stabilité dans la zone Indo-Pacifique. Et je pense que les relations entre le Japon et l'Australie peuvent servir de modèle. Et je pense que ce n'est même pas la peine de dire, je pense que les autorités françaises en sont conscientes. Je pense à l'accord d'accès réciproque signé entre l'Australie et le Japon, signé le 6 janvier 2022,
donc le 6 janvier de cette année. Il s'agit d'un accord qui permet d'établir un cadre administratif lorsque les deux forces visitent leur territoire respectif et surtout qui va permettre l'utilisation des bases en cas d'exercice et mission d'opération. C'est surtout, ça va surtout être utile pour le Japon, à mon avis, parce que, bien évidemment, le Japon est dans la portée des missiles à la fois chinoises et nord-coréennes, et cela reste dans des visions théoriques ou un peu abstraites, mais un tel accord, par exemple, permettrait théoriquement, encore une fois, de faire évacuer en avance des avions de chasse japonaises comme le F-35 en Australie. Et pourquoi pas un accord entre la France du même type pourrait servir à faire évacuer certaines avions de chasse japonais et autre chose en Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas, et ce serait un avantage pour le Japon. Je souhaite ajouter que lors des négociations entre le Japon et l'Australie, le problème de la peine de mort a été un sujet différent entre les deux pays, car l'accord sert aussi à définir les modalités lorsqu'un individu commet un crime dans le pays en question. Finalement, l'Australie n'aura pas besoin de s'inquiéter de cette peine, car il a été décidé que la peine de mort ne sera pas appliquée à un soldat australien, même s'il commet un crime très grave. Donc, au cas où un accord identique serait signé entre le Japon et la France, le cas d'Australie servira de modèle, parce que ça a pris quand même assez de temps pour que l'accord nippo-australien arrive à une conclusion, car selon la presse, c'est à cause de l'existence du système de peine de mort au Japon. Donc, voilà. Donc, je pense, quel rôle pour la coopération franco-japonaise dans la région Indo-Pacifique. Je pense que, encore une fois, ce sont des choses comme ça, concrètes, qui vont contribuer peu à peu à hausser le niveau des relations bilatérales en matière de sécurité. En revanche, dans le domaine diplomatico-stratégique, le Japon a des moyens susceptibles de faire évoluer la coopération franco-japonaise et approfondir les liens, comment dire, d'une manière stratégique entre les deux pays. Je pense notamment à, en tout cas c'est prévu, la prochaine ouverture d'un bureau consulaire japonais à Nouméa l'année prochaine, janvier 2023. Bon, il y avait déjà un consul honoraire, mais la présence d'agents japonais du ministère des Affaires étrangères va probablement servir à quelque chose. Et c'est surtout un message fort pour les pays riverains de l'Océanie et surtout pour la Chine qui, on l'a vu ces derniers mois, on a vu que la Chine s'intéresse, ce n'est pas seulement pour les ressources naturelles, ce n'est pas seulement pour les nickels que la Chine s'intéresse à cette région. La Chine a bel et bien une vision militaire et stratégique concernant cette région. Donc c'est un cas d'exemple. Et je souhaite ajouter aussi que le Japon va aussi créer une ambassade à Kiribati, encore une fois un signe fort envers la communauté internationale. Alors, je ne vais pas aller très loin, je vais conclure.
En conclusion, je souhaite ajouter que malgré la coopération et l'évolution du Japon en matière de sécurité depuis une dizaine d'années, la France et le Japon sont deux pays de caractère bien différents, même si, vous l'avez dit, le professeur Éric Mottet au début, les deux pays partagent les valeurs démocratiques. La France est une puissance nucléaire, puissance majeure de l'OTAN, et en quelque sorte une puissance qui a pu digérer la défaite de 40. Le Japon est aussi un pays qui a connu une défaite cinglante en 45, mais cette défaite qui sert comme encore comme un fardeau au Japon. Et je pense qu'il reste encore des réformes à faire et il y a peut-être une certaine hésitation lorsqu'il s'agit de jouer un rôle quelconque dans le domaine de la sécurité. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Miyashita. Alors, je retiens de votre intervention que vous avez remplacé cet accord, effectivement, qui existe depuis quelques années entre la France et le Japon et qui est tourné autour de certains objectifs, que vous considérez que la coopération, finalement, entre la France et le Japon sur les aspects de défense, de sécurité de l'Indo-Pacifique se font à petits pas, d'une certaine façon, et que c'est la multiplication de ces petits pas qui feront peut-être que cet accord prendra plus d'ampleur, ce qui, semble-t-il, est votre souhait. Vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et je note également le déploiement diplomatique actuel du Japon en Indo-Pacifique, une sorte de redéploiement finalement dans des zones qui étaient pour l'instant connues par les touristes japonais, mais peut-être assez peu par la diplomatie japonaise. Et dernière petite chose, une petite boutade, je ne suis pas sûr que la France pour l'instant va choisir le modèle de coopération australien. Pour les raisons que vous connaissez, peut-être que la France va peut-être choisir un modèle un peu différent que plutôt copier ce qui a été fait entre le Japon et l'Australie. Je fais bien sûr référence ici à l'affaire des sous-marins et la brouille qui semble perdurer encore aujourd'hui entre la France et l'Australie. Voilà, encore merci M. Miyashita et je passe donc la parole à notre collègue Barthélémy Cormont. Merci Eric et merci à tous. J'ai écouté avec grand intérêt ces trois interventions et une mention toute particulière pour nos collègues et amis japonais qui, en plus, font l'effort de s'exprimer dans un français remarquable. Donc, c'est vraiment non seulement un plaisir et un honneur de vous écouter. Alors, à mon tour de faire un certain nombre de commentaires sur cette relation franco-japonaise et sur ce positionnement qui doit et qui peut être le nôtre face aux défis qui sont ceux de l'Indo-Pacifique aujourd'hui. En fait, j'axerai mon propos autour d'un certain nombre d'observations qui sont à la fois systémiques et très contemporaines pour essayer de voir dans quelle mesure on peut effectivement avancer en matière de coopération entre nos deux pays, en mettant l'accent sur le fait que, évidemment, beaucoup d'éléments de langage qui ont été exprimés par les uns et les autres ne seront que repris très modestement de mon côté. Alors, la première chose qui, je pense, doit nous interpeller, et qui est une forme de constat de cette guerre en Ukraine et de son développement pour le moins hasardeux et même inquiétant, c'est que les alliés ne sont pas nécessairement des amis. On le voit avec les dissonances qui sont très fortes, à la fois au sein de l'Union européenne, mais aussi et peut-être surtout au sein de l'OTAN. Et puis, dans le même temps, les amis ne sont pas nécessairement des alliés. Or, comme cela a déjà été dit précédemment, la France et le Japon ne sont pas des alliés, mais ce sont des pays qui entretiennent des relations amicales, des relations qu'on pourrait même qualifier d'étroites et des relations de confiance. Des relations de confiance d'abord autour de la fascination que nous éprouvons les uns et les autres, une fascination qu'on pourrait qualifier de mutuelle. Il n'est pas dans le propos aujourd'hui d'évoquer le soft power japonais et son audience en France, mais c'est bien évidemment quelque chose qui va impacter la perception que nous avons ici en France du Japon et donc la bonne relation entre nos deux pays. Et puis, pour avoir effectué un certain nombre de séjours au Japon, j'ai pu mesurer aussi la popularité d'une certaine manière de la France côté japonais, et donc cette fascination, ce respect mutuel qui nous caractérise et qui doit malgré tout être remarqué. Cette amitié
Elle se retrouve, cela a été également évoqué, dans les valeurs communes que nous partageons, des valeurs de démocratie, des valeurs de droits de l'homme, des valeurs également de libre-échange, hein, donc ce libéralisme, je reviens notamment sur les propos du professeur Caneara sur cet ordre libéral qui a été au cœur également de cette relation franco-japonaise qui s'est progressivement mise en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc nous avons effectivement des valeurs communes qui sont au cœur des différents différentes rencontres, les différents sommets que nous allons pouvoir mettre en place. Cette amitié, elle s'articule aussi et peut-être surtout autour de perceptions qui sont des perceptions communes. Alors, je reviendrai sur le cas de la Chine, qui est évidemment au cœur de nos interrogations réciproques, mais cela vaut aussi sur, ça a été évoqué, le sort des Ouïghours en Chine, la question de la libre circulation en mer de Chine méridionale, et puis sur, de manière un petit peu plus générale, ce changement que nous observons, hein, ce changement d'ordre international et les inquiétudes qui doivent les accompagner. Et donc là aussi, nous partageons un certain nombre d'observations qui sont communes et qui d'ailleurs se retrouvent dans les différents communiqués de ces sommets 2+2 hein, que les uns et les autres vous avez évoqué. Donc ces rencontres qui, depuis maintenant une décennie à peu près, permettent aux ministres des Affaires étrangères et de la Défense des armées, désormais de nos deux pays, de se rencontrer régulièrement, d'échanger et de pouvoir précisément communiquer pardon, sur nos convergences de vues et donc sur l'amitié forte entre nos deux pays. Et parmi ces communiqués, hein, j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu en détail celui qui scellait cette dernière rencontre 2+2 hein, en février dernier, une rencontre comme d'ailleurs celle d'aujourd'hui en webinaire, bien malheureusement. Mais ce qui m'a interpellé dans ce communiqué, c'est qu'on va revenir très longuement sur ces valeurs communes, sur ces objectifs communs, sur ces perceptions qui sont très proches côté japonais et côté français, mais on va d'une certaine manière se garder d'évoquer des points qu'on qualifierait de plus sensibles. Par exemple, la question d'AUKUS, hein, on parlait tout à l'heure des sous-marins australiens, mais c'est peut-être l'AUKUS aussi qui est au cœur de ces interrogations. La question d'AUKUS n'est pas évoquée dans les rencontres 2+2, ou en tout cas elle ne ressort pas des communiqués officiels. Et puis le Quad, sur lequel je vais également revenir, n'est pas non plus évoqué dans ces discussions. Donc on voit d'une certaine manière que cette amitié est très forte, elle est répétée et cela est nécessaire, mais peut-être faudrait-il trouver d'autres mécanismes pour transformer cette amitié en un vrai partenariat qui serait un partenariat stratégique avec en ligne de mire ces différents enjeux qui sont ceux de l'Indo-Pacifique. La deuxième chose que je remarque est là aussi la guerre en Ukraine nous offre des indicateurs précieux et le professeur Caneara avait d'ailleurs commencé son propos sur ce point, donc il me permet de revenir 40 minutes en arrière maintenant, hein, notamment quand vous évoquiez le fait que l'ordre libéral né de l'après-Seconde Guerre mondiale se retrouve quelque peu bousculé, non seulement par l'émergence de la Chine, mais aussi par la remise en cause de cet ordre par un certain nombre de système politique, au premier rang desquels la Russie, on le voit bien. Et c'est une tendance que l'on pourrait, alors de manière peut-être pessimiste, mais tout dépend du point de vue, bien évidemment, qualifier de désoccidentalisation. Il y a, on l'observe, une forme de rejet des valeurs occidentales et surtout peut-être du rôle central de l'Occident dans le champ des relations internationales et de sécurité en particulier. Ce qui nous interpelle avec cette guerre en Ukraine, c'est que la Russie n'est peut-être pas si isolée que cela, qu'elle n'est pas totalement encerclée, entourée par un certain nombre de pays qui adhéreraient à ces valeurs occidentales et ces valeurs de droits de l'homme, ces valeurs de condamnation d'une agression qui nous unisse. La Russie garde un certain nombre de relais, y compris d'ailleurs avec des pays qui sont des amis et dans le cas du Japon, disons-le, des alliés, hein, je pense notamment à l'Inde. Et puis, ce qui nous interpelle aussi, c'est qu'on voit des discours, alors à la fois de
Vladimir Poutine, hein, il a encore tenu ses propos il y a quelques jours, dans les lieux de la semaine dernière, mais aussi du côté chinois, du côté de Xi Jinping, et puis on pourrait faire mention également d'autres dirigeants peut-être moins influents, peut-être moins puissants, mais qui malgré tout s'expriment sur le sujet, qui font état tout simplement d'un besoin de rééquilibrer le monde et de ne plus articuler les relations internationales autour de ces valeurs occidentales et surtout de cette place centrale de l'Occident. Et professeur Kaneara, vous avez d'une certaine manière exprimé ce propos en invitant le monde occidental à se montrer davantage à l'écoute des partenaires asiatiques qui désormais comptent à la fois sur la scène économique, mais aussi sur la scène politique et stratégique, pour essayer tout simplement de repenser cet ordre mondial. Et j'ai conscience que c'est évidemment un souhait qui doit être entendu et qui doit donner lieu à un certain nombre de dispositifs. Cette désoccidentalisation du monde, elle est réelle, elle est économique, elle est politique, elle est d'une certaine manière aussi un défi pour l'ordre que nous incarnons d'un point de vue politique, cet ordre démocratique, hein, ces valeurs démocratiques dont nous faisons la promotion et dont on observe, et on ne peut que le déplorer, qu'elles sont désormais bousculées par des systèmes politiques plus autoritaires et qui se cache derrière ce slogan, peut-être fantaisiste et sans doute très fortement exagéré, que ces régimes autoritaires seraient plus efficaces face aux crises, face aux déséquilibres internationaux, là où ces démocraties occidentales seraient d'une certaine manière fatiguées, seraient un petit peu usées. Et donc c'est évidemment un défi aussi pour ce monde occidental que de pouvoir rebondir face à ces pressions, fussent-elles légitimes ou pas, hein. D'ailleurs, j'insiste bien sur ce point. Et donc, dans ce décor, se pose la question d'une relation que nous devons repenser, nous, puissances occidentales, et la France en particulier, avec nos partenaires, avec nos amis dans le monde asiatique, parce qu'il y a cette guerre en Ukraine, parce qu'il y a ces défis sur lesquels je crois que tous les quatre nous sommes bien d'accord, et puis parce qu'il y a effectivement cette émergence chinoise qui est problématique, hein, qui est sujet à de multiples inquiétudes, parce qu'il y a un discours qui est parfois extrêmement décomplexé de la part de Pékin. Hein, je ne reviendrai pas sur le cas de Taïwan et sur les risques d'une agression de Taïwan. Et puis parce qu'il y a, de manière un petit peu plus générale, l'affirmation d'un hégémon chinois qui, forcément, ne peut qu'inviter les pays qui l'entourent, et même davantage, hein, à s'interroger sur non seulement les intentions, mais aussi la finalité de cette nouvelle puissance. Alors, il y a sur ce point quelque chose qui m'interpelle et qui n'a pas été dit par chacun d'entre vous et que je pense vous partager malgré tout. Et vous avez fait d'ailleurs tous les trois mention d'un certain nombre de références historiques, hein, et je ne remonterai pas très loin dans nos histoires respectives extrêmement longues et riches, mais dans l'histoire un petit peu plus récente, il y a quelque chose qui nous interpelle en Asie. C'est que traditionnellement, et en particulier depuis le 19e siècle, la Chine et ou le Japon, je dis bien, ont été en position de force sur la scène asiatique, mais jamais en même temps. La Chine était d'abord dominante à l'époque où le Japon était isolé, hein, replié sur lui-même, et puis l'ouverture du Japon, puis les réformes de Meiji ont coïncidé avec ce que les Chinois qualifient encore aujourd'hui de siècle des humiliations. Et donc d'un déclin inexorable, d'abord des Qing, et puis ensuite de la République de Chine. Et puis, on sait, je ne reviens pas là-dessus, quelle a été la relation entre les deux pays dans la première moitié du XXe siècle, une relation conflictuelle, mais qui a toujours été une relation asymétrique. Il y avait toujours un fort et un faible, d'une certaine manière. Et puis, je dirais qu'avec la guerre froide, une forme de statu quo s'est un petit peu installée, et cette rivalité ou cette relation qui peut potentiellement être complexe a été occultée par des rivalités à plus grande échelle. On constate aujourd'hui que la Chine est une puissance qui s'affirme, nous sommes tous d'accord sur ce point, mais on constate dans le même temps que le Japon veut renouer avec sa stratégie de puissance.
parce que le Japon est une puissance économique, inutile d'aller dans le détail, nous en avons tous conscience, mais le Japon, on le voit depuis maintenant quelques années, veut aussi redevenir un acteur politique et même stratégique de premier plan, ce qui est tout à fait légitime, hein, monsieur Miyashita, vous avez évoqué, hein, sur le fait de s'interroger sur cette constitution qui date d'une autre époque et qui n'est peut-être plus tout à fait conforme avec la réalité stratégique à l'échelle régionale et nationale, et on constate donc que le Japon veut redevenir un acteur stratégique. Et ce qui m'interpelle à titre personnel, c'est que, d'une certaine manière, pour la première fois dans cette histoire contemporaine, la Chine et le Japon sont des grandes puissances et veulent s'affirmer comme des grandes puissances. Ce qui, évidemment, pose de multiples problèmes en termes de capacité à s'entendre entre Tokyo et Pékin, et puis en termes de capacité à maintenir des équilibres à échelle régionale. Et ça, c'est, je dirais, cette nouvelle donne, hein, qui n'existait pas il y a encore seulement quelques années, qui doit aussi s'inviter dans nos réflexions sur le positionnement que nous devons avoir. Alors, en tant qu'ami du Japon, hein, et là je parle en mon nom très personnel, mais aussi au nom de mon pays, la France a évidemment vocation à jouer un rôle dans cette relation potentiellement conflictuelle, avec bien sûr un impact qui serait bien au-delà de la région et qui serait même international. Et la question est de savoir si la France doit dès lors se positionner de manière très prononcée, d'un côté ou de l'autre, si on peut dire les choses ainsi. Et donc, cela nous invite à repenser cette question du lien entre alliance et amitié. Est-ce que notre amitié doit évoluer vers une forme d'alliance? Et si oui, pour quelles raisons? Avec quelle finalité? Et puis, avec quel type d'engagement également? Bon. Et on constate évidemment que cela nous conduirait inexorablement, si nous poussons cette piste de l'alliance, à créer une forme de bipolarité en Asie. C'est une bipolarité que Marianne a eu l'occasion d'évoquer avec le réengagement américain, hein, qui est très prononcé et, on peut le dire à certains égards, agressif de la part de l'administration Biden. Hein. Je vous invite notamment à relire les propos du secrétaire d'État Anthony Blinken fin mai, hein, il y a moins d'un mois, dans lequel il revient sur cette rivalité sino-américaine et sur ce qu'il estime être, peut-être a-t-il raison, la nécessité de rassembler les forces et puis de créer une forme de front, de bloc anti-chinois pour contrer les risques hégémoniques chinois dans la zone. Est-ce que la France doit entrer dans cette logique? Est-ce que la France doit passer de son statut d'ami proche et respecté du Japon à celui d'allié? C'est une question qui, évidemment, nous inviterait à repenser de manière, je dirais, substantielle un certain nombre de partenariats stratégiques, hein, vous les avez évoqués les uns les autres, je ne reviens pas dessus, mais cela nous inviterait aussi à repenser notre positionnement vis-à-vis de structures qui existent et qui ont cette finalité, je pense en particulier au Quad. Je rappelle que le Quad rassemble à l'heure actuelle quatre pays, les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Est-ce que la France, qui a déjà participé, ça a été dit notamment dans le cadre des exercices Malabar, à des exercices conjoints avec les membres du Quad, est-ce que la France doit se rapprocher du Quad pour adopter d'une certaine manière la ligne stratégique qui est celle du Quad? Est-ce que la France doit se réjouir ou en tout cas accepter la naissance d'AUKUS et pourquoi pas essayer de se greffer à ce nouveau cadre qui a été mis en place par les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni en septembre dernier? À ces deux questions, je me permettrai de répondre, mais c'est un avis personnel, par la négative. Je ne pense pas que ce soit une bonne piste de réflexion. Je ne pense pas que le rôle de la France, qui doit être un rôle de premier plan, doit être de s'aligner d'une certaine manière sur nos alliés et en l'occurrence amis. Notre rôle doit avoir, au contraire, plutôt vocation à
d'une part, maintenir notre indépendance, hein, ça fait partie évidemment de notre politique étrangère et de défense, mais aussi et peut-être surtout de pouvoir soigner cette amitié très forte, ces valeurs que nous partageons et cette volonté de travailler plus étroitement pour essayer non seulement d'identifier les défis, parce que nous sommes d'accord sur les défis, nous sommes d'accord sur les risques et les sujets d'inquiétude dans cette région, mais quel type de solution devons-nous nous apporter face à l'identification de ces défis, eh bien, j'opterai de manière très personnelle sur un renforcement de notre dialogue à la fois politique et stratégique, mais pas sur la formation d'alliances qui nous conduirait peut-être malheureusement à créer des lignes de fracture qui deviennent désormais de véritables problèmes. Et donc, pour conclure, je crois que j'ai déjà parlé un petit bout de temps, je dirais simplement que l'amitié est quelque chose que nous devons soigner. L'amitié est ce qui nous permet, par ce dialogue de plus en plus étroit, et gageons que les chefs de gouvernement respectifs souhaitent aller dans cette direction, cela nous permet de réduire les risques d'incompréhension. Et malheureusement, les incompréhensions, elles existent. Nous en avons, nous, Français, été les victimes avec la naissance d'AUKUS et la rupture du contrat sous-marin avec l'Australie. Et donc, il est nécessaire de dialoguer davantage pour éviter ce type de désillusion. L'Alliance, en revanche, a un caractère très contraignant. Et si cette contrainte est pour le moins légitime quand elle concerne des enjeux de sécurité, je dirais, immédiats, hein, donc on va dire l'OTAN pour la France, pour les partenaires européens, et puis bien évidemment des questions comme le Quad dans le cas du Japon, ou le partenariat stratégique avec les États-Unis, qui est une évidence et qui est nécessaire, bien évidemment, pour le Japon contemporain. Est-ce que pour autant, nous avons vocation, les uns et les autres, à nous greffer à ce type de mécanisme? Et donc, je dirais non pour la France dans le Quad ou dans ce type de mécanisme, comme je dirais ça, tout simplement, en termes de réciprocité, non pour le Japon dans l'OTAN, hein, puisque c'est un petit peu la même chose finalement dont il s'agit. Donc voilà ce que je voulais exprimer en vous remerciant et puis en attendant nos questions. Merci Barthélémy. Alors je vais basculer tout de suite sur les questions, même s'il y a bien des choses à retenir. Justement, il y a des questions sur l'AUKUS et le Quad. Il y en a d'ailleurs un certain nombre. Et alors on connaît bien en France la position, on connaît plutôt bien la position de la France sur l'AUKUS, on va dire ça comme ça. En revanche, on connaît assez peu la position du Japon sur l'AUKUS. Et donc cette question qui s'adresse particulièrement donc à M. Kanahara et M. Miyashita. Que pense le gouvernement japonais et la population japonaise de façon plus générale sur l'AUKUS, de l'AUKUS? Ah, pouvez-vous mettre l'AUKUS? Ok, très bien. Ça s'appelle l'AUKUS en français. AUKUS. Ok, très bien. Okay. Puis-je commencer? Bien sûr, allez-y. Okay. La région asiatique, c'est pas la même chose que l'Europe. L'Europe, vous avez l'OTAN, et l'OTAN est très puissant vis-à-vis de la Russie. Vous avez la France, la Grande-Bretagne, puissance nucléaire. Vous avez l'armée de l'Allemagne, la Turquie et des bateaux des Italiens et des Espagnols. Ici dans cette région, il n'y a que 5 alliés des États-Unis, Japon, Corée du Sud, les Philippines, l'Australie et Thaïlande. Et militairement, c'est seulement l'Australie qui peut travailler avec nous. Ben, on peut très bien engager les Coréens, mais enfin, ils se concentrent sur les presqu'îles de la Corée. Ils ne s'engagent pas dans la responsabilité régionale vis-à-vis Taïwan, par exemple. Donc, on va continuer à travailler sur la Corée, et c'est seulement l'Australie. Philippines et Thaïlande sont importants, mais ça, c'est la location de Philippines très importante, mais c'est la force militaire d'eux. Ce n'est pas quelque chose de la France et la Grande-Bretagne. Donc, on aimerait bien agrandir à ce cadre Japon, Australie et Washington. Donc, l'Inde vient ici, mais ce n'est pas allié. Hein. L'Inde prête être très grand, enfin, dans 10 ans, plus grand que le Japon. Mais enfin, l'Inde prête être la France en Asie. C'est un pôle multiplaire. Il ne s'engage pas comme un allié avec les États-Unis.
Donc, ça c'est l'Inde. Donc, ce n'est pas encore très, très, très puissant en façon la Chine. Donc, on vient engager les Européens, surtout la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, les trois. Et donc, AUKUS, ça c'est quelque chose de bienvenu pour nous. Et j'aimerais bien enfin, engager la France. Et l'Allemagne a commencé à changer petit à petit la direction. C'était 100% économie pour la Chine. Et maintenant, ils s'engagent dans les pensées stratégiques pour la stabilité de l'Asie. Donc, ça, c'est très bienvenu pour nous. Et on aimerait bien agrandir ce lien avec les Européens à Bruxelles, l'Union européenne. Et si on parle avec des pôles et des Européens de l'Est, on s'entend très bien pour la question de la Russie. On est voisins de la Russie. Donc ça c'est bien que l'OTAN commence à inviter les Japonais et les Coréens du Sud. Donc c'est surtout les relations des trois, l'Inde, la Chine et la Russie. Ils ont le dynamisme de même, mais ça donne une influence à nous. Donc, il faut se parler des Européens et les Japonais et les Américains, comment contrôler les trois entre nous. Donc, enfin, AUKUS est très bienvenu. On aimerait bien engager la France aussi et l'Allemagne et Bruxelles. Ah, vous avez une position qui a été très marquée sur cette question. Monsieur Miyashita, sur AUKUS, l'AUKUS et oui, Japon. Juste un point. En tout cas, les puissances autres que l'Inde, les trois autres, je pense, à mon avis, souhaite que le Japon participe à l'AUKUS parce que c'est aussi, comment dire, un système international qui vise à faire évoluer les aspects militaires en matière technique. Donc, le Japon a une certaine connaissance dans ce domaine, donc les trois veulent introduire le Japon. Mais il y a un certain point dans l'AUKUS que le Japon ne peut pas participer comme les recherches concernant, les aspects concernant les sous-marins à propulsion nucléaire. Donc, encore une fois, pour le Japon, il vaut mieux, en tout cas c'est ce que je pense, garder dans le cas précis d'AUKUS les relations bilatérales. Déjà, en dehors de l'Inde, le Japon a des partenariats, on peut dire, d'exception. Donc, il vaut mieux faire avancer ces relations bilatérales que d'entrer dans l'AUKUS. En ce qui concerne la participation française dans des systèmes de sécurité dans la zone Indo-Pacifique, je pense que plus c'est multilatéral, plus ça sert à quelque chose dans la zone Indo-Pacifique. Et la différence, c'est que le Japon n'est pas une puissance européenne, mais la France est bel et bien une puissance, disons, non seulement de l'océan Indien, mais aussi de l'océan Pacifique. Donc, il y a divers structures, donc même si la participation française dans l'AUKUS ou le Quad est écartée, on peut avoir des structures permettant d'encadrer les relations entre les pays concernés. Voilà. Alors, je vois que depuis le début, on tourne autour du pont, on tourne autour de l'Inde et du Quad. Alors, il y a une question, bien sûr, il y a des questions sur le Quad. Et là encore, question qui s'adresse à M. Kaderam et M. Miyashita. Marianne, je ne t'oublie pas, mais on reviendra sur une question un peu plus générale ensuite et tout le monde pourra y répondre. Alors, le Quad, comment est perçu finalement aujourd'hui cette alliance très forte, du moins renouvelée, entre l'Inde et la Russie?
Comment est-ce que c'est perçu au Japon? Et la question est très simple, c'est est-ce que finalement cette neutralité apparente de l'Inde sur la question de la guerre en Ukraine et de la Russie, est-ce qu'elle fragilise le Quad et à terme, est-ce qu'elle fragilise finalement la position du Japon en Indo-Pacifique? Moi? Oui, monsieur Kader, on peut y aller. Ok, très bien. Mais écoutez, c'est pour la perspective des Indiens, c'est un peu différent de la nôtre. Lorsque, enfin, l'Inde a été envahie par les Chinois deux fois, 58-62, il n'oublie pas. Et toujours, enfin, donne l'appui à Pakistan. Et ça c'est très, très, enfin, quelque chose de très, très, très pas mécontent pour les Indiens. Donc, lorsque Washington s'est approché avec Pékin et Tokyo, ça a poussé les Indiens vers Moscou. Parce que le poids Washington, Tokyo, Beijing, c'était trop lourd pour les Indiens. Donc, ils étaient obligés d'aller à Moscou pour acheter des armes. Et les relations ont continué. Les Russes aiment beaucoup plus les Indiens que les Chinois. Et des relations, enfin, de Moscou, Delhi, étaient importantes pour Delhi, pour contrôler les Chinois un peu. Donc, c'était la situation. Et en voyant la tension entre Beijing et Washington aujourd'hui, les Indiens sont très intelligents. Enfin, ils se bougent petit à petit vers nous, mais ce n'est pas comme cela. Donc, lorsque enfin, Moscou enfin, est en difficulté, enfin, les Indiens n'oublient pas ce que Moscou a fait aux Indiens. Lorsque l'Inde était en difficulté vis-à-vis Beijing et avec Tokyo et Washington. Donc, enfin, l'Inde est en train de changer leur position petit à petit, mais ce n'est pas encore ici. Donc, l'Inde et la Chine se croisent. La Chine enfin, s'éloigne petit à petit, enfin, rapidement de Washington, et l'Inde s'approche vers Washington. Donc, on est ici. Donc, je ne pense pas que enfin, la position de l'Inde, de neutralité dans la guerre de l'Ukraine, enfin, va affaiblir le Quad. Ce n'est pas le cas. Enfin, on est dans la direction correcte. On engage petit à petit des Indiens et ils viennent vers nous. Ils viennent définitivement vers nous. Monsieur Miyashita, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui. Je pense, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit le professeur Kanehara, c'est-à-dire que on savait déjà que l'Inde avait une position spéciale, que peut-être un peu comme la France, l'Inde souhaite être une puissance d'équilibre. Donc, disons que c'était déjà dans l'agenda que l'Inde prendrait une position nuancé par rapport à la guerre d'Ukraine, et aussi l'Inde dépend énormément des armes provenant de la Russie, donc on comprend bien la position de l'Inde, mais aussi le Japon par exemple durant la guerre a négocié pour la pêche dans le nord de Hokkaido, et comment dire, les contacts diplomatiques ont continué. Donc, disons que la guerre d'Ukraine, c'est une tragédie et on n'est absolument pas d'accord, mais la diplomatie avec la Russie et les relations avec la Russie, ça continue. Donc, ce que je veux dire, c'est surtout concernant l'Inde, on savait déjà que l'Inde prendrait probablement une position neutre. Voilà. Merci. Alors, on va essayer d'être un petit peu plus positif. Alors, la question, Marianne. Je vais intervenir parce qu'on ne me demande pas mon avis et en général, quand on ne me demande pas mon avis, je brûle d'envie de le donner. Ah, je t'en prie, Marianne. J'ai quand même une opinion assez différente de nos amis japonais. Alors, très brièvement, je pense que l'AUKUS est une très grave erreur stratégique des États-Unis qui ont élaboré un format qui est fermé. Et c'est un format qui est fermé parce qu'il est adossé, comme vous l'avez bien vu, à cette histoire de transfert de technologie dans un domaine extrêmement sensible, donc la propulsion nucléaire, sur la base de l'uranium hautement enrichi. Il pose quand même un problème de prolifération.
Et en cela, l'AUKUS a quand même suscité des réactions très, très partagées dans l'ensemble de l'Indo-Pacifique, et y compris au sein de certains partenaires qui s'estimaient assez privilégiés, comme le Canada, comme la Nouvelle-Zélande aussi. Et donc, ce format, il est fermé à cause de cette propulsion nucléaire qui nécessite un très haut niveau d'habilitation et qui nécessite des échanges de renseignements. Et ce niveau d'habilitation, à mon avis, il est aussi nécessaire dans la partie coopération technologique que comprend aussi l'AUKUS et qui n'a pas directement trait à la propulsion nucléaire. Donc, il y a deux domaines de coopération avec un haut niveau de valeur ajoutée en matière de technologie, où on est avec des partenaires qui ont un niveau d'échange de renseignements très spécifique avec les États-Unis. Et je suis désolée, je pense que le Japon ne l'a pas. Je pense que la Corée du Sud ne l'a pas, mais aurait peut-être plus que le Japon une vocation capacitaire à rejoindre l'AUKUS, parce qu'il n'a pas les limites en matière d'accès à la propulsion nucléaire, par exemple. Donc, en fait, la grave erreur stratégique, c'est d'avoir constitué ce club anglo-saxon qui quand même inclut le Royaume-Uni, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais c'est quand même un partenaire qui n'est pas un partenaire agrégatif au sein de l'Indo-Pacifique. La stratégie quand même du Royaume-Uni, c'est quand même de se repositionner et de chercher une aire d'influence et une aire de coopération nouvelle après le Brexit. Donc, trouver finalement le soutien stratégique des États-Unis au regard des capacités militaires indiscutables du Royaume-Uni, c'est effectivement quelque chose d'assez évident, mais ça ne conduit pas finalement à quelque chose qui serait un mécanisme décidé à s'ouvrir. Je pense que en fait, en élaborant ce mécanisme et en l'affichant tel quel, les États-Unis se sont durablement, je dirais, empêchés de pouvoir ouvrir l'AUKUS. Et pourquoi aussi? Parce que le Quad a vocation à être inclusif et que justement le Quad, lui, a vocation à élaborer, à privilégier une coopération technologique, y compris dans des domaines extrêmement sensibles, avec le Japon, avec la Corée du Sud, et j'oserais rajouter peut-être Taïwan, même si ça n'est pas très ouvert, parce que ces trois pays possèdent effectivement des compétences que n'ont pas les autres en matière d'intelligence artificielle, en matière de robotique, en matière de programmation quantique, donc des domaines extrêmement sensibles qui feront la différence avec la Chine et qui font déjà peut-être la différence avec la Chine. Donc, on a un mécanisme de haute sécurité qui est réservé pour l'instant à une certaine forme d'élite et que par définition, il sera difficile d'ouvrir à cause de cette exigence en termes d'accessibilité et d'habilitation. Et on a au contraire le Quad qui a vocation à agréger et dont l'objectif est effectivement d'être paradiplomatique et de faire en sorte d'être à l'origine d'une manière de coalition souple, de like-minded partenaires, pas forcément et pas d'alliés, où il est important, par exemple, d'aller intégrer des pays de l'ASEAN. Il s'agit d'être quand même très, très représentatif et d'avoir un certain nombre de pays qui ne sont pas uniquement que des partenaires privilégiés des États-Unis. Voilà ce que je voulais quand même faire comme petite mise au point. Barthélémy, veux-tu ajouter quelque chose? Non, on va prendre la question suivante. Alors, on avait promis qu'on terminerait à l'heure, hein, donc il reste 2-3 minutes. Dernière petite question, puisque là on va faire un tour de table assez général, une question qui est intéressante. Alors, d'un premier temps, qui s'adresse d'abord donc à nos amis japonais, c'est est-ce qu'au Japon, on a une bonne connaissance de la stratégie Indo-Pacifique de la France? Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde? Est-ce que c'est quelque chose qu'on commente, que ce soit dans les milieux politiques, journalistiques ou les milieux académiques? Oui, bien sûr. Enfin, le gouvernement de la France a publié la stratégie Indo-Pacifique. Disons que la France, c'est le premier pays de la zone maritime dans le Pacifique, à la Nouvelle-Calédonie, et la flottille à Haïti. Donc, la France, c'est une puissance pacifique. Et incluant l'Inde, c'est un nouveau cadre stratégique, enfin, dans lequel la France pense son rôle mondial. Donc, c'est bien connu, surtout dans le ministère des Affaires étrangères. Bon, tout le monde le connaît. Monsieur Miyashita,
Oui, les gens commencent à connaître la France en tant que puissance de notre région, surtout avec la participation des forces françaises sur le territoire japonais. Ça a été vraiment un événement qui a été relayé par la presse, non seulement écrite, mais aussi comment dire, la télévision. Et voilà. Merci. Dernière petite question, alors qui est pour Marianne et pour Barthélémy. Que peut apprendre la France finalement de la stratégie indo-pacifique du Japon? Ou quels sont les éléments à faire ressortir qui pourraient être intégrés donc à la stratégie française? Je pense qu'il y a un secteur, malheureusement, on n'en a pas parlé, il est un peu en marge peut-être de problématiques sécuritaires, encore que c'est le changement climatique et l'aide à la gouvernance maritime qui est extrêmement importante. On a mentionné les pays du Pacifique Sud avec cette offensive de charme de la Chine en direction de ces pays. Alors effectivement, il y a des enjeux stratégiques, il faut se rapprocher le plus possible et neutraliser la puissance militaire américaine. Et là, on se déploie au plus près des bases, du cœur de la puissance américaine. Donc, c'est un symbole extrêmement fort, mais il y a ces espaces maritimes à contrôler, à sécuriser, avec ce qu'il y a dedans, excusez-moi de parler comme ça, c'est-à-dire certainement le poisson, les ressources halieutiques qui sont pillées par un certain nombre d'acteurs dans la Chine, mais il y a les câbles sous-marins, il y a les ressources minérales, et il y a surtout des pays qui sont confrontés à cette difficulté à sécuriser ces très vastes espaces avec des moyens nécessaires, avec des moyens appropriés. C'est là où la coopération franco-australienne et japonaise doit je dirais, se consolider et où, effectivement, il est heureux de voir les amorces d'une réconciliation entre la France et l'Australie. Personnellement, je m'en félicite énormément. Et j'espère qu'on pourra mettre en place quelque chose portant sur des coopérations donc pour protéger le domaine maritime de ces États micro-insulaires, mais surtout répondre à cette préoccupation existentielle qui est la montée du niveau de la mer et qui est l'impact du changement climatique sur leur avenir. Merci Maria. Le mot de la fin à Barthélémy. Alors oui, alors trois choses très rapidement hein, sur ce point, sur cet héritage de l'Indo-Pacifique et les leçons pour nous Français. La première, c'est évidemment de reconnaître le caractère pionnier du Japon sur l'Indo-Pacifique et donc cette volonté qui est déjà exprimée en 2007 par l'ancien Premier ministre Abe Shinzo de penser d'une certaine manière cet espace régional, à la fois sur ses aspects sécuritaires, mais aussi politiques, économiques et environnementaux, comme a dit très justement Marianne. Donc, je dirais que le fait que la France veuille s'impliquer dans l'Indo-Pacifique, en soi, suggère un dialogue et une coopération étendue et plus proche avec notre ami japonais. La deuxième chose, c'est que ça a été dit, notamment par nos deux intervenants japonais, et je m'en félicite, la France est légitime dans la région. La France est une puissance de l'Indo-Pacifique en raison de ses territoires, de ses ressources, et puis de ses intérêts qui sont évidemment très prononcés. Et donc, ce n'est pas une posture, la stratégie Indo-Pacifique de la France, ce n'est pas une recherche désespérée d'un sujet sur lequel on va pouvoir exprimer à la fois notre souveraineté et notre puissance. C'est quelque chose sur lequel nous devons nous sentir directement concernés parce que nous avons des populations, parce que nous avons un certain nombre d'activités dans la région. Et puis le troisième point, enfin, c'est de rappeler, et effectivement, Marianne l'a dit, hein, évoquer aujourd'hui les aspects plus sécuritaires, donc le hard, hein, c'était l'objet de notre discussion, mais l'Indo-Pacifique, à la fois à Tokyo et à Paris, c'est multidimensionnel. Hein. C'est une stratégie qui doit inclure effectivement les enjeux environnementaux, la dimension économique. Hein, professeur Kaneahara l'a dit en début de propos, l'Asie, c'est près de 60% de l'activité économique mondiale. Et donc, parler d'Indo-Pacifique, c'est aussi parler de ce nouveau cœur du monde économique, ce qui, évidemment, ne peut pas laisser indifférent. Et puis, enfin, cet Indo-Pacifique, il a aussi une vocation culturelle. Je crois que nos échanges ont montré à quel point la coopération, le dialogue interculturel est essentiel pour comprendre quels sont les intérêts
des uns et des autres, et puis quels sont les regards que nous pouvons porter sur un certain nombre d'enjeux. Et ça, c'est aussi une stratégie qui doit être au cœur de cet Indo-Pacifique et de la manière avec laquelle nous cherchons à le définir. Un grand merci. Nous avons à peine dépassé, seulement 4 minutes, ce qui est plutôt un exploit. Un grand merci à M. Kanara, M. Miyashita, qui ont déjà bien entamé la soirée. Et on vous souhaite donc écoutez, une bonne soirée et une bonne nuit. Un grand merci d'avoir participé à ce webinaire. Et on se dit donc à très bientôt. Et je remercie bien sûr Marianne, Barthélémy et toute l'équipe qui est derrière tout ça et qui nous permet d'organiser des webinaires, je dirais, sur un rythme soutenu à l'IRIS. Voilà. Un grand merci et bien sûr, un grand merci à tous les gens qui nous ont écoutés. La vidéo sera disponible dans une quinzaine de jours sur la chaîne YouTube de l'IRIS et elle sera disponible gratuitement. Voilà. Un grand merci et à très bientôt pour les activités autour de questions de l'Indo-Pacifique. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.